Ça fait maintenant 15 ans qu'elles sont là, 100 000 éoliennes qui tournent à tour de bras. Un quart de kilomètre au-dessus de nos têtes, qui sème le vent, récolte la tempête. Il était tout content, monsieur le maire, un fervent opposant au nucléaire. Un grand vent d'enthousiasme a nourri les fantasmes d'une énergie propre et conduit au marasme. Auparavant j'aimais les éoliennes, mais j'ai succombé au chant des sirènes. Et j'ai en vrille le vrombissement de leur valse dans le vent. Adieu nos nuits étoilées, adieu nos belles au bois dormant. Et les vents vont, et les vents viennent, ils font tourner les éoliennes. Mais quand ils freinent, quand ils s'éteignent, qui fait tourner les éoliennes? Comme le soleil qui ne brille pas tout le temps, le vent aussi n'est qu'un intermittent. Et c'est aux centrales thermiques de faire tourner la boutique. Toujours besoin de courant, même quand le vent nous fait la nique. Bien que tant d'oiseaux aussi soient coupés les ailes, elle pousse à vitesse exponentielle. Plantées dans le béton, crucifiant l'horizon, de la discorde elles sont la fondation. En vérité, en fait de cause climatique, le calcul se révèle diabolique. Il y a tant de profits à la clé pour les lobbies, la tragicomédie d'une énergie à double prix. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Elles s'égrènent comme la gangrène dans nos campagnes quotidiennes. Au vent viole comme au soleil d'Icare, on peut brûler ses ailes sans crier gare. Au cri de l'ignorance sur ces gibets de potence, qui nous dira le prix du vent et des oiseaux en transhumance. On vend de l'infox à pertes et fracas à propos de l'éolien dans les médias. Écoutez ces politiques avec leurs choix cyniques. Une éolienne dans son jardin, c'est pas beau, mais ça fait du fric. Alors qu'en France on est indépendant en énergie sans carbone, on vend du vent. Et c'est en milliers de tonnes que l'on coule et qu'on bétonne le sol de nos forêts puits de carbone. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Et dans l'arène, en maître règne, de faux débats qui nous aliènent. Mais l'anti-éolien accroît ses troupes, ses opposants ont bien le vent en poupe. Plus qu'une armée de Don Quichotte portée par un vent de révolte face à ces champs de géants qui clignotent. Alors aujourd'hui c'est quoi être écolo? C'est choisir nos forêts et les oiseaux. Plus de maisons énergivores, régler la question des transports, agir en responsable, enfin prendre en main notre sort. Dans 25 ans, elles seront toujours là, grand mât sans bras, passé de vie à trépas. Je ne serai pas celui-là qui aura dit autrefois, les éoliennes adviennent que pourra. Et les vents vont, et les vents viennent, elles finiront, les éoliennes. Qu'à cela ne tienne, semons les graines pour que l'avenir nous appartiennent.